Et bonsoir à tous. Bonsoir les amis, bienvenue quasiment comme tous les soirs pour ce nouveau live sur Twitch. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Salut mon Neymar, salut Youn, salut mon Reda. J'espère que vous allez bien en ce mardi 2 mai 2023. Ça y est, on est déjà en mai les amis. Déjà, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a déjà fait quasiment la moitié de l'année? Ça fait bader, hein. Se dire que là, ça va beaucoup trop vite. Mais voilà, déjà 5 mois que la chaîne Twitch est lancée. Déjà, que dire? Déjà 5 mois que la chaîne Twitch est lancée. Déjà 4 mois que Rockstar Mag a fêté ses 10 ans. Plus que 3 mois avant les... 5 mois avant les 10 ans de GTA V. Plus que... l'annonce de GTA 6, c'est fou quand même, hein, c'est fou. Bonsoir mon Axeman, bienvenue. Ce soir les amis, on va repartir avec notre Bandicoot préféré, puisqu'on va repartir sur Crash Bandicoot 3. Enfin, on va partir sur Crash Bandicoot 3, puisque hier soir, on a terminé As Dux Falls, et on en a profité pour terminer Crash Bandicoot 2, étant donné que... qu'on avait fait c'est bizarre, le micro a coupé. T'as dit 7 mois l'annonce de GTA 6. J'ai pas dit 7 mois. Tu regarderas le replay, tu verras. Mais c'est vrai que j'ai des petits problèmes de micro, notamment quand je parle de GTA 6, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, hier soir on a fini As Dux Falls, et donc du coup Crash Bandicoot 2, ça faisait que une heure de live avec As Dux Falls. Donc voilà, le programme de cette semaine les amis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah justement il est là, hier As Dux Falls, donc ce soir bah, pas Crash Bandicoot 2 mais Crash Bandicoot 3 du coup. Mercredi pas de stream, mercredi je serai sur GTA RP, c'est ma première fois sur GTA RP, donc on va prendre un petit peu les repères, etc., voir comment ça fonctionne avant de le faire en live, parce que sinon c'est pas très passionnant pour vous. Demain clairement, même pour moi ça va pas être foufou, hein. Pendant 3-4 heures je vais juste apprendre, donc ça va pas être fou, mais à mon avis dès la semaine prochaine on va attaquer le GTA RP. Jeudi on termine Harry Potter et vendredi on continue Test Drive Unlimited, parce que mine de rien il y a plein de jeux qu'on a commencé qu'on n'a pas terminé. Sur mon site qui est là, chrisclippel.fr, vous avez plusieurs trucs: accueil, Twitch, YouTube, blog, qui suis-je, etc. Et si vous allez sur Twitch, sur Twitch, en fait, c'est tout ce que je fais sur Twitch. Donc, vous avez tous les replays des Burger Twitch, tous les replays des Twitch Show qui faudrait que je prépare une suite. Et vous avez tous les jeux qu'on a stream depuis le début par ordre sur la chaîne. Donc, GTA 4, les DLC, Test Drive. Bon, The Witcher, on a abandonné, j'y arrive pas. Crash Bandicoot. Et dès que vous cliquez dessus, ça vous emmène vers la playlist avec tous les let's play en entier. Tia, qu'on a fait la dernière fois. Hop, là, tac. Et vous avez tous les trucs comme ça. Donc comme si vous avez envie de revoir des replays d'anciens lives et surtout par jeu, bah vous avez tout cela. Vous avez tous les lives Hogwarts Legacy, tous les lives Crash Bandicoot 2, les lives VR de Tia, de The Last of Us Partie 1, de Beyond Blue. Bon, Beyond Blue, il n'y en a qu'un. Quand on fera les soirées K-Culture, etc. Tout sera ici, sur mon site, dans la rubrique Twitch. Et donc on va terminer Harry Potter puisqu'il nous reste, je pense, un live à faire dessus. Crash Bandicoot 2, et ben du coup depuis hier tous les lives sont présents ici. Donc n'hésitez pas à aller, comme ça vous aurez tous mes lives sur une seule et même plateforme qui vous permettra tout simplement de ne rien manquer. Sur cela, ce soir on repart sur Crash Bandicoot. Et donc sur pas n'importe lequel, puisque là on attaque Crash Bandicoot 3 Warped, qui est pour moi le meilleur opus plateforme. Pour moi il y a Crash Bandicoot 3, ensuite il y a Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 4 qui sont kiff, et ensuite on a Crash. Et j'ai oublié de vous mettre, je vous ai pas mis le son, et j'ai pas mis mon son à moi non plus. Ha 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 ha!
Il est trop chou, Polar. Uka Uka est libre? Non, c'est impossible. Un grand malheur est arrivé. Jure. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu deux fois. Grand Uka Uka, c'est cet infernal bandit. Cortex dans la sauce. Du fin fond de mon temple prison, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes. Tu as perdu les cristaux. Et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais. Nous avons eu quelques petits contretemps. Et tu as échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen d'amasser la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka Uka veillera à ce que tout se passe bien. Maître du temps. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Avec la petite photo de Nathan Drake. Maintenant, il est de nouveau libre. La petite photo de Nathan Drake, et passe bien. Il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka Uka et Cortex veulent utiliser cette chronotornade la pour musique. Récupérer les cristaux éparpillés à travers le temps. Je vous ai amené ici pour que nous retrouvions les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail temporel, mettez-vous sur un bouton. C'est Crash 3 ce soir, mon Lemmy Winch, et bon courage à toi pour le taf. Et coucou Letty, bienvenue. Allez, c'est parti pour le meilleur Crash Bandicoot plateforme là. Et c'est parti. Crash, Crash, Crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu sais. Nous verrons bien assez vite qui est le plus fort. Pas content au cas où. Ah, c'est musique. Ça c'est pas tout de suite, faut les apprendre, Yun. En fait, à chaque combat de boss, on va apprendre une nouvelle. Putain, c'est pas possible. Non! Fallait que je le prenne après le niveau bonus. Attends, si mon Yon, tu peux faire travailler une sonate sur le débat, ça va chauffer. C'est pas faux. Je sais pas quand on va le faire le débat, mais faut qu'on le fasse, et ce serait bien de faire des débats toutes les semaines. Mais il faut que je trouve du temps. Hein. On va dire que ce premier niveau bonus est pas très compliqué. Alors on enchaîne les villas, si on va en avoir besoin. Alors bon. En tout cas, bon courage les Mi-Wings. Hey,
Ah mais c'est cher à chaque fois. Alors, on enchaîne les villes. Voilà, premier niveau parfait. On n'est pas mort, on a toutes les caisses et tout ça. C'est ça qui est bon, les amis. Merci, Letty. Merci, Letty. Allez, ce soir du fiac en plus, c'est bien, là. Allez, niveau 2. Niveau 2, c'est déjà pas la même chose. Ça va être sous l'eau. C'est les fameux niveaux sous l'eau. Qu'ils étaient très cool. C'était un peu révolutionnaire à l'époque. Mais c'est pas les plus. C'est pas les plus pratiques. On a eu de la chance là, on a eu de la chance. Franchement les niveaux sous l'eau, ils demandent quand même pas mal de... de réflexes, d'extérité, c'est pas les plus simples. Hein. Pour le moment on s'en sort bien, pour le moment... pour le moment... Y'a pas une caisse là ? Pour le moment. Je sais pas combien de temps ça va. Ouais, on a 9 vies. Hein. 9 vies, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour le moment. Ça faut aller tout doucement avec ça, c'est un peu le piège. Un peu le piège en fait avec ça, on va se dépêcher parce qu'on se dit on risque rien, mais faut pas oublier de casse non plus. Ah oui, voilà, c'est là pour et Divi. On se vit. Oh, qu'est-ce que tu me fais toi? Où on se calme? Après on va pas se mentir, c'est les premiers niveaux. Hein. C'est les premiers niveaux, ils sont jamais très compliqués les premiers niveaux de Crash. Mais bon, on est quand même bien. On est quand même bien. Le requin, ça dégage. Thank you.
Et encore un niveau parfait. Let's go. Il y a des bons niveaux dans le 3. Ah, pour moi c'est mon préféré. Vous me le savez, pour tout ça pour ma connexion. Bah carrément mon Reda. Et là regardez, deux niveaux parfaits. Là on est sur un grand soir. Salut personne, comment ça va? Non, le Crash Bandicoot 3 pour moi c'est le meilleur. Alors si on le fera après, on va continuer les niveaux parfaits. Parce que celui-là, je crois que c'est... Eh oui. Allez, on va faire celui-là d'abord. Parce qu'après, on va commencer avec le petit tigre et... Bon, celui-là, il est un peu délicat aussi, mais... Allez, c'est parti. On est bien. Bah j'espère bien. J'espère bien. Allez, let's go. 14 vies. Je crois qu'on a jamais eu autant de vies dans un Crash Bandicoot. C'est pas beau ça? Bon là on va essayer de pas faire les fous. J'allais tomber. Et voilà, let's go. On va récupérer encore deux vies. Alors si tu vois surtout que j'ai du skill et que c'est surtout le début en fait. C'est le début parce que t'inquiète pas que les derniers mondes, ils sont pas si simples. Et j'ai quand même du sacré skill hein, parce que là, réussir ça du premier coup là, je suis dans un grand soir, c'est tout. On va speedrunner le jeu en une soirée en fait. Comment ça, Wiyuns? Letty, c'est pas qu'il est facile, c'est que j'ai du skill. Voilà. Voilà, c'est vos mauvaises ondes, ça. C'est vos mauvaises ondes. C'est incroyable. Tout allait bien. Voilà, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Axman, banni Younes et Letty là. C'est leur faute. Et non plus. Et voilà. Euh...
Ouais non mais les mots les bannis pas vraiment en fait. Ah quoique. Si là je réussis. Ouais non en fait ne les bannis pas en fait. Parce que je pense qu'ils sont en train de me jeter des sorts là. Je me fais chier mais le dinosaure quoi qu'il arrive il est... Il casse... Mais qui est con. Yoon ça me démangeait depuis quelques jours. Bon allez là on se remet parce que là on rigole mais j'ai perdu 4 villes hein. J'avais loupé le joyau. Bon appétit Reda, à tout à l'heure. Pour 600 secondes en plus. Mais tu les as bannis super longtemps les pauvres. Les pauvres. Et salut Cotin, je t'avais pas vu. Et c'était une blague, Axeman, les pauvres. Ça y est, maintenant je culpabilise. Je culpabilise. Coucou, moi, Attila. On va se transformer en dictature. Le premier qui ne me soutient pas, il est banni. C'est tout. Bon, les niveaux avec Coco. Qu'est-ce que ça donne? En vrai, ils sont trop durs ces niveaux-là. Et bah voilà, ça commence. Ça va, on gère. Putain, je suis dégoûté, du coup il va nous manquer une caisse. Parce que là pour moi je fais le sans faute. Oh non, il va nous manquer une caisse, quelle tristesse. Oh non. L'arnaque. Oula. Je voulais louper, je voulais pas prendre. Voilà, comme ça la caisse que j'avais loupée tout à l'heure, je l'ai récupérée. La puissance du dragon. Ah merde, je suis allé trop loin. Oh merde, je voulais pas aller en haut en fait. Bon, au moins on a récupéré une vie. Mais oui, c'est 10 minutes, tu peux pas les débannes. Les pauvres. Putain, on a loupé 4 caisses. Et oui, 600 secondes, tu les as bannis super longtemps, les pauvres. Voilà. Rebienvenue, Younes. Rebienvenue, Letty. Attention. La première fois, vous me dites que... c'est pas mon skill, vous reprenez 10 minutes. Faut pas rigoler avec Axeman. Allez, c'est parti, le jet ski. Ce Crash Bandicoot 3 proposait aussi quand même pas mal de nouveautés au niveau du gameplay. Genre ça là avec, avec le jet ski. On va juste regarder et rien dire. Vous n'avez pas le droit à la parole, sinon faut faire de la bonne parole, tu vois. Oh là là, la... Yo Arco. Pardon, Younes.
La conduite du jet ski, c'est pas la conduite des cartes de CTR. Ah bah super. Il veut quoi lui ? Ah non ! Il m'a pas touché en plus. Ah, j'en ai loupé un. Demi-tour. Oh, let's go! Comment je l'ai retourné avec sa barque, lui? Merci, moi, Attila, c'est toi le meilleur. Waouh! Oh non! Je l'ai pas touché! Bah alors tu sais pas jouer, Chris, mais qu'est-ce qu'il raconte lui encore là? C'est pas possible ça! Qui c'est qu'il a choisi dans l'équipe cette affaire? En même temps, si t'étais un petit peu plus présent, Maël, tu pourrais voir que je sais jouer. Hein? Super. Oh non! Mais non! En ce moment, je lance quasi pas le PC, j'ai pas le temps. Mais de quoi t'as pas le temps? Ah là là. Putain, mais en plus on arrive à la fin du niveau là à chaque fois là, je bloque sur n'importe quoi là. Mais non, mais c'est des conneries là. Vous l'avez vu, vous êtes témoin. Pas possible, la maniabilité du jet ski est vraiment horrible. Déjà on va faire ça pour éviter de refaire le tout là. Oh non mais il vient sur moi, c'est un boulet téléguidé. Ah non, il tourne autour, qu'est-ce qui branle? Chelou ce boulet hein. Ouah, mais je passe comment là? Mais je passe comment là? Mais comment je passe? Ok, bon. Et salut monsieur Rod. Et mon Caxeldine, et comment ça va se faire? Avoir, c'est le best crash, même si on reconnaîtra une certaine facilité
Ouais, ça y est, je suis en train de dire pour avoir besoin. En fait, j'attends toujours de t'affronter sur cette terre. On va éviter le pseudo remake de Crash Bash, puisque tu en as dit. Alors oui, en plus, c'est même pas un pseudo remake de Crash Bash, hein. Ça n'a rien à voir avec Crash Bash. Pour CTR, c'est vrai qu'il faudrait qu'on organise des soirées quand même, ce serait sympa. Et là pour le moment, pour la Warzone, ça va. Mais c'est le début, effectivement, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu plus simple, on va pas se mentir. Force à toi, Arcro, pour le CP de Red Dead Online. T'as vu la purge Redfall ? J'ai vu, ouais. Moi, je l'avais un petit peu pré-shot. Ils m'ont proposé le test et j'avais vraiment pas le temps en ce moment, donc j'ai dit bah non, je ne fais pas le test. Mais j'avais un petit peu senti le carnage, hein, qu'elle est arrivée. Crash, Coco. Merde, qui est con, j'ai passé. Mais lui, il est pas beau. Il est super chaud comme boss, Tiny Tiger. Ok, là j'ai eu de la chance. J'ai été sûr. C'est super chaud. Et bien entendu, faut reprendre à chaque fois de zéro. Bah pour moi, Tiny, c'est l'un des boss les plus durs de Crash 3. Hein. En fait, c'est vraiment le truc pour éviter les lions, ça me rend fou. C'est pas possible! Ah, sur Crash 2 ça va, c'est avec les TNT et tout. Là quand il faut sauter de plateforme en plateforme. Là en fait c'est juste que je trouve que t'as pas beaucoup d'espace en fait entre les lions. Ah merde! Ouais mais là je sais pas, je vais essayer mais j'ai l'impression que quand tu sautes ils peuvent quand même t'avoir, c'est con. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, on peut faire ça. On peut dégager les lions. Je savais pas ça. Ok, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée en fait. Salut Ruben. What? On va peut-être faire ça en fait.
Ah non. Ah non. C'était un petit peu trop cheaté, on va dire. Ouais, les plateformes qui tombent, je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Oh non! Abusé! Ah mais c'est abusé là! Ah, ce premier boss, pour moi, c'est un des pires. Je me souviens à chaque fois galérer sur Tiny. Et pas forcément galérer sur les autres. Ah bah super. Je vais pas y arriver. Yo, j'étais la veste. Le tourbillon, je crois pas que ça passe. Putain, on avait 14 vies, on est en train de perdre toutes nos vies là-dessus quoi. C'est trop le somme. Waouh. Là, c'est de la chance, hein. Eh ben, c'est compliqué hein. On a perdu beaucoup de vie hein. Bravo mes enfants. En bas, c'est toi l'enfant. Vous avez débloqué le portail de la zone temporelle suivante. Retournez au centre. On est déjà à la deuxième zone sur 5, tu sais. Sauvegardez la partie si vous le souhaitez. Pas besoin de sauvegarder, on speedrun mon pote. Le portail vers la deuxième zone temporelle est maintenant ouvert. Eh ben, let's go. On va passer c'est lui l'Egypte. J'adore les niveaux en Egypte. Ah non, là on revient sur celui-là. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Qui? Quoi? Où étais-je? Oh, Tiny était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être plus sympa avec mes sbires la prochaine fois? Non. Allez, 100 caisses. On arrive sur les niveaux déjà un peu plus... Et j'ai cru que j'allais pas avoir le... Super. Oh non! Ces sorciers sont un petit peu casse-couilles. On va pas se mentir.
Voilà la chèvre. Allez, on va se refaire des vies là parce que. Voilà. Comme ça que ça marche. Voilà, deux en un là. Une balle de mort. On enchaîne, on les enchaîne. On leur laisse aucune chance, les amis. On est bientôt à la moitié du niveau. Il était trop proche d'une caisse TNT, on va pas tenter le diable. Allez, c'est parti, là on va tout enchaîner. Voilà, comme ça on a fait le ménage. On est bien. T'as vu les chaises pour dire que t'es le gosse. N'importe quoi. Je raccroche, ce sera sur les pouvoirs, le level design, de nombreuses améliorations, la mort notamment qu'on crache grâce. Ouais non mais il y a plein de trucs, je trouve que Crash 3 il est vraiment c'est le plus abouti. Puis même les niveaux. Les niveaux, celui en Égypte et tout, dans les Moyen-Orient, enfin j'adore. Oh non! Oh non! Je me fais griller! Je me fais griller! Mais si je meurs, je perds mes deux masques! Et ça, c'est hors de question, les amis! Tant pis, on n'aura pas le. On n'aura pas le. Alors on remonte à 11 vies là. Voilà. Oh là là, la défaite quand même. La défaite où il manque qu'une seule caisse. Putain, je me suis fait piéger dans le niveau bonus là. Putain, mais à chaque fois qu'ils se sortent le cristal du cul, ça me. Yo Lilian! Bienvenue! Ah voilà, les petits niveaux là en Égypte comme ça là, on aime bien là. Non, c'est pas encore ça l'Egypte. Ouais, si c'est Moyen-Orient, c'est pas encore l'Egypte. Oh non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Mon joystick, il a... Bah il a bugué en fait, enfin je... Ouais, c'est 117, le car, le NISP.
dépêcher. Un petit peu le seum quand même d'avoir perdu mes masques et une vie aussi bêtement là. Oula oula. Et merde. Merde. Bon. Là, on n'a pas de masque, on peut. Ça ressemble à... Mais c'est exactement ça. Je pense qu'il y a une grosse inspiration d'Aladdin. Je pense. Comment ça va? Ça va super et toi? Voilà. Et voilà. Bah tant mieux si tu vas bien. Masterclass ce jeu, mais ouais, Crash Bandicoot 3, c'est trop bien. Trop bien. Incroyable ce jeu là, tout le monde est d'accord, c'est pas beau ça. C'est pas beau d'avoir un chat comme ça qui est aussi unanime et aussi d'accord. Franchement, quelle communauté hein. Surtout quand t'as un streamer qui est aussi pro-gamer que ça. Moi je veux pas dire mais... Ok. Que ça passe Rockstar Max, c'est pas qu'un projet pour les études, mais pourquoi tu as choisi Rockstar Games? Parce que j'étais déjà... Ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais sur des sites et des forums... Putain mais... ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais sur des sites et des forums spécialisés sur Rockstar. Et donc j'étais déjà fan du studio. Et donc du coup bah quitte à choisir un site dans lequel me lancer, bah je me suis dit autant faire dans ce que je connais en fait. Et c'est là que ça a donné Rockstar Mag. Tout simplement. Et let's go! Let's go, ça enchaîne ce soir. Hein. Ça enchaîne, c'est même pas 21h, on a déjà fait la moitié du deuxième niveau là. Donc ça on a fait, et là. Ah! Le fameux niveau de la moto. Celui-là il est un peu galère parce qu'en fait pour avoir à la fois les caisses, c'est assez compliqué. Merde, j'ai oublié de faire le départ rapide. Wow. Thank you.
Bâtard. Oh non, je vais perdre. Bon, déjà j'ai eu le... Déjà j'ai eu le gem. Tu me proposes un gameplay de... Bah c'est un peu ce que j'ai fait samedi quand même, hein. Je ne sais pas ce... où tu as été samedi, mais c'est un petit peu ce que j'ai fait quand même. Bon déjà voilà, les caisses c'est fait. Maintenant il faut quand même qu'on fasse le cristal. Ici la Ensign Trilogy elle est dispo sur PC. Voilà, let's go, démarre en trombe là. Bam bam bam. On va leur montrer là comment ça se passe, c'est qui le motard. Aspiration là. Oh, 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 oh. Anti-jeu là. Mais anti-jeu. Mais qui est bâtard. Mais qui est bâtard. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh bah. Mais vas-y. Vas-y. Bah par contre il n'y a pas le recommence. Oui voilà. Recommencer. Alors sauf que moi j'ai... La moto là n'est pas bleue. Mais effectivement je suis un peu comme Crash, hein. Allez, let's go, on repart là. On va leur montrer, putain, mais le premier anti-jeu total. Oh non! Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Oh là là, que c'est beau! Oh que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, mais il a rien compris! Je lui ai fait une Fast and Furious! Tu sais, dans Fast and Furious 2, quand le mec il prend le truc, il saute par-dessus la voiture. Je lui ai fait la même. Il a rien compris. Il a rien compris. C'est comme ça que ça marche, les amis, là. Ah, voilà. Tomb Time, qui est bien entendu une référence à Tomb Raider. Salut les mecs, mon nom c'est Dingo Deal. Et Uka Uka et Cortex m'ont ordonné de leur rapporter les cristaux de la période. Zizi Cinéma, ah oui, grand grand cinéma. Et dégagez ou je vous fais rôtir. Rater. En vrai, je fais le malin, l'Egypte, mais c'est des niveaux qui sont assez compliqués, qui m'ont rendu assez fou. Donc du coup, pourquoi je suis content de les faire? Ah, là, les musiques de Crash 3 sont excellentes. Letty, la pauvre, elle a plus reparlé depuis que Axeman tu l'as banni. J'espère que tu t'en veux, Axeman. J'espère que tu culpabilises. Pas du tout, mais quel enfoiré.
suivez les ordres. Non, 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 non. C'est Mystère premier degré qui n'a pas compris le second degré. Il ne suivait pas les ordres. Ne vous laissez pas pervertir, les amis. Oh, la musique, elle est vraiment incroyable. Oh non, mais l'arnaque, comment ça? Comment est-ce possible? Pouh. Je me suis fait un peu arnaquer quand même sur le... sur la première. Mais elle s'enlève direct. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Un petit peu grillé comme tout à l'heure. Je me suis fait carrément un petit peu griller tout à l'heure en fait. Parce que moi elle est vraiment repartie très très vite. Ah, je vais pas y arriver hein. Ah ça y est. Du coup là il manque plein de choses, il faudra revenir avec le joyau. Mais on repart avec 16 vies, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, on est plutôt bien. Donc ça on l'a fait, ça on l'a fait. Allez, on repart avec une chasse au tigre. Et mine de rien, on a déjà fait la moitié, enfin pas la moitié du jeu, mais ah mais non, mais après il y a un deuxième niveau que je suis bête. Ça, j'allais dire, ça va quand même très vite, hein. Oh non, c'est abusé là.
Ah mais elle s'est mangé le mur. Bon Coco, tu vas pas me faire perdre toutes mes villes. Oh là, putain. Oh non, j'ai loupé la caisse en plus. Oh là là. En plus, c'est une caisse checkpoint. Ah bah voilà. Ah bah voilà, super. Blague! Coco, t'es en train de me niquer toutes mes villes! Oh là 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 là, c'est la folie, y'a trop de trucs là. Ah bah super. Ah bah super. Mais non, j'ai sauté par-dessus! Là, je suis vraiment en train de perdre toutes mes vies avec ce niveau de la mort là. Mais non! Oui, on est en Chine, Reda. Oh là là, mais je comprends rien à ce qui se passe là. Mais il a pas sauté. Mais c'est un sketch là par contre. Tout se passait très bien. Tout se passait très bien. Et ça y est là. Mais il a pas braqué le tigre. Mais c'est pas possible, c'est strictement impossible. Oh là là, il a été trop vite. Putain, c'est pas possible. Putain, mais je vais pas perdre toutes mes vies là-dessus quand même. Je déteste ces niveaux, ils sont pourris. Non, mais j'ai sauté là. Je me fais persécuter. Non mais mes couilles là au bout d'un moment Oh, je vais péter un plomb. Ah non. Oh bah super.
Et là, je fais comment? Là, je fais comment? En plus, c'est la fin. On est à la fin du niveau, les amis. On est à la fin du niveau. On a perdu toutes nos vies. Bon, pas que sur la fin du niveau, mais principalement sur la fin du niveau. Mais tu veux faire comment, là? J'ai plus le cristal! J'ai plus le cristal! J'ai plus le cristal! Quoi? Mais j'ai touché quoi là? Et il nous manque 2 caisses en plus de ça. Eh ben ça, je peux vous le dire, c'est laborieux. Allez, tu feras des mamours plus tard, là. Il nous a fait perdre 10 vies, ce con. Ça, t'as un sujet, les tigres. Je peux pas compter sur eux. Lorsque je me suis lancé, c'était un peu compliqué avec mes parents, parce que c'est pas trop leur génération Internet. Du coup, Du coup, au début, il comprenait pas que je faisais vraiment des. Que je travaillais en fait sur internet et que je jouais pas en fait. Et donc. Du coup, bah. Emportez-moi, Albert. Je vais faire écarter. Putain, mais c'est vrai. Ah bah, super. Non, mais ça m'a pas touché! Ça m'a pas touché, c'est abusé! C'est une blague! C'est quand vous voulez, vous mettez un masque en fait, hein. Mais qui est con? Mais qui est con si je suis... Mais quel abruti? Mais quel abruti?
bah là, c'était sûr. Bon, premier game over. Fin de partie. Un peu le seum quand même. Un peu le seum parce que je pouvais tellement l'éviter. Mais le niveau avec Pura et Coco nous a... nous a fait mal. Ah mais c'est moi qui glisse sur lui putain. Et ben voilà! Tu m'as eu, mon pote. Pas de problème. Mais c'est rien à côté de ce qui va t'arriver. Voilà! Allez, on enchaîne! Bon, on enchaîne là avec 3 vies, quoi. Putain, on était monté à 16 vies. On était monté à 16 vies. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste refaire le premier niveau. Il est rapide à faire. Et on va regagner quelques villes. Oh! Mais c'est qu'ils ont été loin, ces deux marsupiaux crépus. Je suis le docteur Nefarius Tropi. Maître du temps et créateur de la chronotornade que vous avez devant vous. Uka Uka et le docteur Cortex m'ont envoyé pour terminer cette petite farce. Alors vous ne quitterez pas ma zone avec les cristaux. Je vous le garantis. On en reparlera, mon petit. Hop là, on va se regagner 4-5 vies là.
que mine de rien, à partir de la du troisième monde, on va attaquer quand même les mondes un peu plus compliqués. Comme ça, on attaque le troisième monde avec 6 vies, bientôt 7, et 2 masques. Ça fait toujours plaisir. Ouais, bientôt 7 vies. Tac. Là, on attaque les niveaux qui vont commencer à être un petit peu compliqués. Hein. Voilà, le Dinominite. Voilà, ça commence à. Là, on commence à arriver dans du vrai Crash Bandicoot. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Bienvenue à toi. On obtient déjà le cristal. Bonus dans lequel on est. Aïe aïe aïe, après avoir de la poursuite. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu le trois cornes. C'est le tricéracorn, c'est ça? Putain, j'ai pas révisé mes classiques. Axman, comment on appelle un trois cornes? Triceratops. C'est le Triceratops. Eh ben merci de ton expertise. Allez, on est monté à 11 vies. Oh non, c'est abusé. Ah. Allez.
82 sur 112. Je vois pas où c'est que j'en ai raté là. Ah mais si, il y avait une petite plateforme qui était invisible et qu'il fallait qu'on revienne. On n'a pas perdu de vie. On n'a pas perdu de vie, on en a même gagné. Donc c'est bon. Ah putain, c'est un nouveau niveau sur l'eau. C'est hier, juste après la... est-ce que la fin de Crash 2 a été hors live ou au début de celui-ci? Oui, c'était hier en fin de live. En fait, hier, Jay, on a fait une heure de As Dogs Falls et 35 minutes de Crash Bandicoot 2. Mais en tout cas, le replay, il est dispo sur Naughty Dog Mag. Allez, c'est parti. Ok. Non, jamais, never. Non, tu vas sur Naughty Dog Mag, la vidéo elle est disponible, il y a juste le passage de Crash Bandicoot 2. Donc du coup t'as même pas à checker As Dogs Falls. La vidéo elle est sortie à midi là. Mais de rien, merci à toi. Voilà. C'est une blague. Ah mais c'est une blague. J'ai eu les deux. C'est super dur de s'arrêter au milieu des deux là. C'est même impossible en fait. C'est même impossible. Comment tu veux t'arrêter au milieu des deux? Non. Attends. Monter là-haut, là va forcément y avoir une dinguerie. Ouais.
pas le détruire ça? J'ai eu peur. Ouais, on fera la vengeance de Cortex aussi. On fera ça. On fera la vengeance de Cortex avec. Ah oui, ok. Ah donc là. C'est la nuit d'Arabie version nuit. Elle est un petit peu plus compliquée celle-là. Alors, espèce de sale petit rat, vous assistez, hein? C'est ça. Continuez à ramasser des cristaux. Vous allez voir. Oh, on va faire la crash. La vengeance de Cortex, parce que bon. Il est moins bien que cela, mais. Oh merde. Pas super. Comme pour les Spyro, on fera les trois Spyro originaux et on fera Spyro 4 Enter the Dragonfly sur PS2 qui, comme Crash Bandicoot, était encore celui qui était pas trop mal quoi. C'est pas juste. Voilà. Allez, petit niveau bonus là pour récupérer de la vie. Objectif, c'est d'être toujours au-dessus de 10 vies. Comme ça, on est bien. Voilà, c'est comme ça que ça marche là. Ouais, le nombre de morts différentes, c'était assez colossal dans celui-là. Thank you.
Ah bah super. Qui est con, mais quel abruti, je sais que ça passait pas. N'importe quoi. Oh là là, mais quel abruti, pourquoi j'ai fait ça? Let's go! Ah mais c'est pas possible ça. J'ai perdu une vie bêtement là. Ah ouais, encore une course de moto. Oh non. Oh là là, mais là l'objectif c'est juste les caisses. On fait juste les caisses et après on fera la course hein. Là j'ai juste envie d'avoir toutes les caisses et après on se concentrera sur la course. Oh non! Oh non, j'ai trop le seum. Putain, si c'est la seule que j'ai pas, je vais vraiment avoir le seum en fait. Ah bah non, bah j'en ai, il y en a deux que j'aurais pas. Putain, j'ai loupé deux caisses et tout. Ok, bon. On a vu le circuit. Je sais pas si je tente les caisses ou pas. Ou si je me focus sur la course. On va se focus sur la course. Hein. Oh bâtard, putain.
Oh là là. Bâtard. Mais bâtard. Oh non, j'ai loupé le sprint. Oh non. Oh non. C'était la victoire là les amis. C'était la victoire. C'était sûr. C'était sûr que c'était la victoire. Et en plus il me roule dessus. Ah mais là faut recommencer. Ça a rien. Ah là là, ils sont pas très fair play hein. On lui fait croire qu'on va à l'extérieur, en fait on va à l'intérieur. Tactique de pilote de F1 ça les amis. Oh là là, mais ça tombe pas! Ça braque pas! Ça braque pas! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh mais le bâtard! Ça va être foutu encore! Ça rend fou! Ouais bah là. Ah bah super! Ah bah super! Putain, par contre, y a pas recommencé, c'est casse-couille! Ah merde, bon courage Axeman. Bon courage. Repose-toi bien. Elles sont tendues ces phases de course, mais t'as le droit à aucune erreur en fait. T'as le droit à aucune erreur. Et ce qui est chiant, c'est que eux ils te dégagent comme il faut en fait. Ouais, ça te ralentit de ouf ça là. Waouh. Oh non mais ça c'est abusé. Putain, deux fois d'affilée quoi. Il veut pas se barrer lui.
Oh non, ah, ça me saoule. Putain, je me rappelais plus que c'était aussi casse-couille ces courses. Oh non, il y a un trou, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Non, en fait, où on va perdre le plus de temps, c'est même pas sur les niveaux où on meurt, c'est sur les courses de moto. La maniabilité, elle est trop horrible en fait. Oh non! Oh non, j'ai loupé le tremplin! C'est horrible. Franchement, Et merde, putain. Putain, on va vraiment perdre tout notre temps là-dessus en fait.
Ah non, la moto elle est là. Non, 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 non. Pas la ligne d'arrivée, putain, sans déconner. La maniabilité elle est pourrie, c'est incroyable. Putain. C'est même pas que c'est dur, c'est que la maniabilité elle est pourrie. Ah non putain! Ah mais que c'est relou! Mais que c'est relou! Oh là là! Incroyable comment c'est relou! Mais merde! Et il va me casser les couilles, bah voilà, c'était sûr. Putain, et on peut pas recommencer, on doit se taper la course qu'à la fin là. Oh bah on va y arriver hein. Cinquième, quatrième, troisième, deuxième. On va y arriver hein. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Putain, mais c'est... Oh là là! Je les touche même pas en plus! Oh bâtard. Mais c'est une blague. Et c'est lui qui me sort, putain, encore. Ah mais l'IA, j'en peux plus, l'IA. Mais non, putain. Mais ouais, ce niveau, il me rend dingue, ça me casse les couilles. C'est même pas kiffant, parce qu'en fait, c'est juste le gameplay qui est à chier. C'est ouf, y'a rien de dur, c'est juste le gameplay qui est mais à chier.
C'est insupportable ça. Ça c'est insupportable. C'est comme par hasard, il est sur ta trajectoire, t'es obligé de le toucher. Toujours cet enculé de quatrième. Ça tourne pas en plus, putain, mais c'est insupportable. Non, 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 non. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je vais péter vraiment un plomb en fait. Merde, j'ai pas vu le trou. J'ai pas vu le trou, putain. J'étais concentré sur le truc, j'ai pas vu le trou. Oh, c'est foutu, hein. Tu... Voilà. Pas faire durer. Oh non, mais ça passe, putain! Ça tourne pas, ça braque pas, c'est insupportable, putain! Ça braque pas! Ça braque pas! Ça braque pas! Tu as encore un niveau à faire, fais-le. Ouais, mais je préfère finir parce que de toute façon ça reviendra au même en fait. Là, je commence à être habitué à la conduite, c'est. Mais c'est. Je. Pouah. En tout cas, bonsoir à toi, Chou. Merde, putain, je regarderai le chat.
Ça fait gagner des vies au moins. Oh le bâtard, putain. Non mais c'est une blague, c'est une blague, c'est une putain de blague ce jeu de merde. Virage à chaque fois, de toute façon c'est impossible de le prendre. Non 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 non, il sait pas, il a pas braqué, il a pas braqué. Avance-toi avec ta chaise. Qu'est-ce que tu racontes, Reda? Bâtard. Insupportable, 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 insupportable! Putain! C'est incroyable.
Il va me péter les couilles, lui. Il va me péter les couilles. Non, mais c'est encore une fois ça. Putain, mais c'est pas possible, j'étais pas dessus, là. Putain, sans déconner, c'est pas possible. Toujours pareil. Pourquoi il s'est arrêté tout seul, ce con? Pourquoi il s'est arrêté tout seul? Putain, mais ça rend fou, sans déconner. Au moins, on aurait gagné des vies, les gars. Ah bah putain! Ouah, elle m'aura. Ah, franchement, ça m'a saoulé. Hein. Ah, franchement, mais là, tu prends vraiment aucun plaisir, ça m'a saoulé. Du coup. Let's go pour celui-là. Au moins, le point positif, c'est qu'on aura gagné pas mal de vie. Hein. Là. Ah, je savais que tu étais ingénieur, mais je ne t'aurais jamais cru capable d'aller aussi loin. Si tu continues... Je ferai s'abattre 1000 années de souffrance sur toi et sur tout l'univers. Calme-toi. Oh putain, oui, ah, ça commence à... Ah, c'était vraiment, vraiment relou, là. Franchement... Je sais jamais comment les passer, ces mecs-là. Comme ça, en fait. Ok.
Et merde. Là, c'est que je sens que je commence à être énervé. Du coup, je me dépêche un petit peu et... Let's go le bonus. Ça n'a fait que... Putain, le niveau il est long. Hein. Le niveau il est long. Bien quand même. Bien quand même. Non, non, c'est pas bien d'insulter. C'est pas bien de dire des gros mots et d'insulter, c'est pas bien. Vous vous moquez de ma détresse. C'est pas sympa. J'avoue, j'ai rigolé d'une tranche. Ouais, mais je prends note. Je prends note de tous ceux qui se moquent. Je prends note. Ton trophée. Ok. Bizarre le trophée quand même. Un petit peu niqué quand même là. On va pas se mentir. Hein.
Comment ça, une caisse? Comment ça, il manque une caisse? À quel endroit j'ai loupé une caisse? Allez, le ta entropie. On va galérer là aussi. Vous êtes de sales petites vermines trop bêtes pour savoir dans quel pétrin vous vous mettez. Cette fois, c'est celle de trop. Tropie. Docteur Tropie, c'est la fin de trop. Hein, lol. Je me rappelle plus du tout, je sais juste que... Donne-moi les cristaux. Ah, super. Ah ouais, super. Quoi? Mais la caméra, elle était juste absente en fait. J'ai eu peur. On enchaîne. Ça, on a perdu que 3 vies. On limite. Eh, merci mon Wick pour le resub. 36 mois. Et bon, ça fait longtemps, j'ai une nouvelle. Je suis papa depuis le 26 avril d'un gaillard. Oh, mais trop bien! Incroyable! Bravo, bravo mon Wick. Félicitations à toi, je suis très content pour toi. Bravo. Toutes mes félicitations à toi et à madame. En espérant que tout le monde se porte bien. Ça fait trop plaisir. Depuis le 26 avril. Eh ben... En vrai, bah, il reste 10 niveaux. En vrai, pas tant que ça. Hein.
Quoi? Mais j'appuie sur carré. J'appuie sur carré. Eh coucou Emile-moi, ça va et toi? On vient d'apprendre une super nouvelle, Weak Carbon vient d'être papa. Donc là c'est l'euphorie. Quoi? Ça par contre avec le super pouvoir c'est trop chiant parce que maintenant du coup il s'emballe. Mais c'est trop relou putain, j'ai appuyé qu'une fois bordel. Déjà assez perdu de vie là, on va juste faire ça. Mais quoi? Mourir? Mais putain, je suis jamais mort comme ça à chaque fois. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Ah, j'adore ce crash aussi, mais là, depuis un quart d'heure, il commence à me... Depuis le niveau à moto. Depuis le niveau à moto, il est en train de jouer vraiment avec mes nerfs. Mais j'ai appuyé sur carré.
Salut Last Dreamer. Ah bah oui hein, l'aventure, enfin l'aventure, quelle aventure? L'aventure Twitch, l'aventure Crash Bandicoot, quelle aventure? Merci Caro. Merci Caro pour le raid. Comment ça va? L'aventure de l'incroyable Crash. Ah bah oui hein, toujours hein. Toujours toujours même si là voilà on a terminé Crash Bandicoot 1-2. Bah ça va super, merci. Et toi? Merci beaucoup pour le raid. Vous étiez sur quoi? Salut Sherazade, bienvenue. Tu te fais un marathon Crash? Alors on a fait le marathon CTR samedi. Et là non, c'est juste ce soir. On joue 3h ce soir. Nier Automata. Ah ok. On reprend après 3 mois. J'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je suis pas trop ce genre de jeu. Mais apparemment le Nier est vraiment exceptionnel apparemment. En tout cas, j'en ai entendu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est vraiment cool, mais pas évident à prendre. Ouais, c'est vrai qu'apparemment, enfin, moi, c'est pas... Mais apparemment, direction artistique, l'histoire, la musique est incroyable. En tout cas, bah bien, bienvenue à ta communauté. Alors nous, on est sur un autre délire. Hein. On n'est pas sur Nier Automata. On est sur quelque chose de beaucoup plus... On est sur quelque chose de beaucoup plus tranquille. Ouais, la musique apparemment est vraiment géniale. La musique est vraiment géniale. Et est-ce que le jeu est compliqué? C'est ça aussi. Est-ce que le jeu est difficile? Parce que nous on est sur quelque chose de plus léger que Nier Automata en termes d'histoire et de musique, mais en termes de difficulté je ne sais pas si... C'est très bien, on va souffler un peu chez toi. Ben voilà, nickel. Et j'ai sauté trop... Ouh là là, là j'ai eu de la chance. Là on a eu de la chance. En tout cas, bah, bienvenue à toi et à ta communauté, ça fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Tu as un tel niveau de difficulté pour tout type de jeu. Ah ok, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. J'ai un gameplay de bourrin dedans, patience. Eh ben écoute, bienvenue. Bienvenue parce que on est sur le même gameplay ici. Je perds toutes les caisses. Eh ben non, il va nous en rester. On est sur le même truc hein. Je t'ai pas oublié d'ailleurs, toi avec Seros, pour la participation au burger. Le seul truc c'est que moi en fait je viens de déménager et ça m'a fait prendre beaucoup de retard, donc faut juste que je me pose, mais je pense que d'ici courant mai on pourra se faire un petit burger Twitch avec Seros, avec toi, et faut que je vois, et je pense qu'il y aura peut-être Vulvy Queen, peut-être, faut que je vois qui est chaud pour participer, voilà. Ouh là là, ça c'est dur ça. Je suis en train de regarder les niveaux qu'il y a un petit peu. Ouh là, c'est comment ça. Là on arrive quand même un petit peu à la fin. Oh, celui-là il est compliqué aussi. Bon, je pense que le plus accessible c'est celui-là. Tu préviens? Ouais, en général je préviens 10 jours avant, ouais. Prends un simple pour décompresser un peu. Bah là le truc c'est qu'on arrive au niveau où il n'y a plus de simple. Je pense que le plus simple c'est celui-là. Mais avec la maniabilité pourrie du jet ski. Mais voilà, là, c'est un petit hommage à Caro Viper qui vient de l'île de la Réunion. Les belles plages, le jet ski, voilà, c'est... Caro, c'est pour toi. Hop. Tac. Allez, let's go. 61 caisses quand même.
Oh non! Putain, je vais tout. Je vais faire que la louper! Je l'ai! Ah, j'en ai encore la une! Putain, la maniabilité, elle est injouable! Attends, c'est par là qu'il faut aller? Ah! Et merci mon week! Je vais vous laisser, bon fun live, à bientôt. Bah, à bientôt mon week, et encore félicitations! Félicitations à toi, plein de bonheur avec, avec madame et votre petit bout de chou maintenant. Bon courage pour les nuits de sommeil. Quoi? Mais il ne m'a absolument pas touché. Il ne m'a absolument pas touché. Ouf. On a eu chaud là. Là je vous le dis les amis, on a eu chaud. Hein. Là aussi on a eu chaud. Là on a eu chaud, mais en gros faut speedrunner, hein. J'ai compris. Faut speedrunner. Attends, quoi? Quoi? Il vient de se passer quoi là? C'est la mouette qui m'a tué? Mais que vient-il de se passer là? Je me suis quand même pas fait tuer par une mouette! Je pensais aussi en fait. Mais non, je me suis fait tuer par une putain de mouette. Là je suis en train de speedrunner le truc hein. Je suis en train de speedrunner le bordel. Ça marche plutôt bien en fait quand je réfléchis pas et quand je fonce hein. On va quand même réfléchir un petit peu. On est toujours sur 19 vies, on est plutôt pas mal hein. On est plutôt pas mal. Franchement 19 vies dans un Crash Bandicoot. Oh putain mais c'est pas possible. Coco. Eh ben c'est pas trop tôt. Waouh, il y a du requin là. Oh il y a de la caisse là. Il y a de la caisse. Attendez, mais regardez toutes les vies qu'il y a là-bas. Comment je fais moi pour aller là-bas? Comment je fais? Ça devient tendu là-haut. Ah bah c'était sûr. C'était sûr. Putain non mais c'est pas possible Coco. Mets au moins la main pour casser la caisse. Ah bah attends du coup faut aller là-bas.
Ah mais non, elles sont encore de l'autre côté. What the fuck. Mais je vais me perdre là-dedans, moi. Et merci pour le follow, DHNO. Excuse-moi, je suis dyslexique. Hop. Attends, mais il y a une vie sous l'eau. Et comment je fais pour aller sous l'eau? Ah. Ah! Mais c'est frustrant de ouf! Attends, mais avant d'aller là-bas. Avant d'aller là-bas, il y a quand même plein de caisses à récupérer là-bas aussi. Non, on n'a pas envie. Elle a pas envie, Coco, visiblement. J'ai essayé de m'arrêter dessus, ça marche pas non plus. Non, mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Eh salut Boto 5, j'avais pas vu non plus. Non. C'est d'arnaque. Oh, il y avait une caisse checkpoint juste là. Mais attends, du coup, on en est où là? Ouah, mais attends, ça fait super longtemps qu'on n'a pas pris Putain, on était à la fin du niveau, j'ai trop le seum. Pas du tout comment faire pour franchement et ben ça va super DH Show. Comment on prononce ton pseudo? Est-ce que c'est DH Snow? DH Snow, ok. Eh bien, bienvenue à toi, DH Snow.
Bon là, ça va être... Ah putain, c'était sûr. Ouais, mais là c'est foutu en fait. Là c'est foutu en fait. Oh, il me manque une caisse, le seum! Le seum! J'ai trop le seum! Oh là là, j'ai trop le seum! Bon, bah là, maintenant, je crois qu'on en a terminé avec le niveau simple. Et là, ça va être. Les cracks sont toujours là, on va tous bien. Bah tant mieux! Tant mieux! Vous êtes au top! Vous êtes au top! Je suis très content si vous allez bien, je suis très content si vous passez une bonne soirée. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Écoute, comment on se retrouve? Oka Oka et le docteur Cortex veulent que je te donne une leçon. J'ai apporté quelques modifications à ma machinerie depuis notre dernière rencontre. Alors dégage! Ou je t'élimine! On se calme, on se calme. On se calme, tu vas te faire... Ouah, ça c'est les niveaux qui commencent à devenir vraiment, vraiment complexes. Là... une petite caisse checkpoint là. Yo Soso, ça va super et toi? 133 caisses, oh là là. Tu t'arrêtes quand? Bah, comme tous les soirs, vers 23h environ. En général, environ, c'est jusqu'à 23h, vous savez, les streams. Et merci DHUNA pour le follow. Vous êtes ensemble? Parce que DHNO, DHUNA... Elles sont stylées les transactions. Quelles transactions? Ça va niquer, j'avais pas vu. Ah, bravo Soso, bravo. Oui, ensemble j'adore Crash. Bah écoute, on adore Crash ici aussi. C'est pour ça que la chaîne est un peu aux couleurs de Crash. Oula. Et en tout cas, bah bienvenue. Waouh, là j'ai eu la chance là. Vous avez loupé un gros marathon Crash samedi. On a fait 7h30 de marathon CTR, Crash Team Racing. Oh l'arnaque. Je pensais que je pouvais le niquer. Waouh. Vous voyez déjà... Bah non, mais non. Non, en plus Axman est allé se coucher, il était fatigué, donc le modérateur fou n'est plus là.
Ouais, ici vraiment, pour se faire bannir d'ici, il en faut les amis. Hein. En général, on a une très 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 bonne communauté, donc on n'a même pas besoin de bannir. On n'a pas besoin de bannir. Et on s'en sort plutôt pas mal pour le moment. On s'en sort plutôt pas mal pour le moment les amis. Hein. On est bien. Hein. Ça par contre je sais pas comment le niquer lui. Chaud là quand même. Ah je sais. Hop. Hop 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 hop. On se calme. Je suis là depuis la galère des courses, mais je pouvais pas écrire, j'avais de la peine pour toi. Ah non, mais le niveau des motos... Le niveau des motos, il m'a rendu fou. Hein. Il m'a rendu fou. Oh là là, le con. Eh ben, franchement, je t'ai torché ça. Je me suis dit, ça c'est les niveaux qui commencent à être un petit peu compliqués. Ben voilà. Bon. Allez, on s'en fait un petit dernier là. Ça c'est fait. Lui il est vraiment compliqué. Lui il est très 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 chaud aussi. Lui il est très très chaud. Tomb Raider. Tomb Raider, on voit la référence. Tu vas faire... Ah mais là, le celui des motos... C'est un petit peu du même niveau que celui du pont. Celui du pont dans Crash Bandicoot 1 là. Ah merde, je l'ai pas. Tu peux pas sauter par-dessus? Tu peux juste l'éviter lui? Ouais bon celui-là, on va galérer. Salut LBLM. Putain j'ai vraiment du mal avec les pseudos. Tu oublies une pomme, ça me frustre. Ah pardon. Bah alors écoute, je vais faire en sorte de ne plus oublier une seule pomme. Tant pis si je meurs. On va faire attention. Chris, il est... Non, ça ira jamais en fait. C'est juste que en fait mon écran est trop loin. Et du coup c'est écrit en tout petit. Et en fait si c'est écrit en violet ou en rouge, je galère de ouf. Non, non, mais si ça te stresse, moi je veux pas que mes viewers stressent. Du coup... Histoire des excuses en pire. Écoute-moi Arcro, tu me cherches encore, après tu vas pleurer hein. Mais merde. Je regardais le chat, j'ai pas couru droit.
Heureusement que c'est un bonus qu'on a pas perdu de vie, ça aurait été la grosse lose là. Le karma de quoi? C'était pour vous divertir. Merde, attends. J'ai fait une connerie là. Mais en même temps, si je fais pas ça, c'est impossible. C'est impossible. Ah bah si, c'est possible. Voilà, je suis désolé, j'ai oublié des pommes, mais ça va être un peu compliqué. Hein. J'ai adoré Azox Fall, j'ai dû regarder en rediff et j'ai pas eu le temps de passer. Ah, il est incroyable, hein. Il est incroyable. C'est cool, il y en a beaucoup que vous avez apprécié. Du coup, bah, on va en faire de plus en plus des jeux narratifs. Oh, la dinguerie là que ça va être. Eh ben jeudi Letty, bonne soirée, et désolé pour le ban de Axeman. Il est un petit peu trop premier degré, et c'était pour rigoler surtout. Bonne soirée Letty. Bah je suis désolé, on est obligé de laisser des pommes, hein. Là on peut pas... Non mais en fait tout à l'heure quand Younes et toi vous avez dit que j'avais pas du talent mais que c'était de la chance parce que le jeu était facile, j'ai dit à Axeman de vous bannir tous les deux. Et en fait pendant 10 minutes il vous a empêché de pouvoir écrire. Bon visiblement tu ne l'avais pas vu. Donc tout va bien. Et justement comme en fait à partir de là t'as plus écrit, on s'est dit bah autant bien Letty elle a mal pris. Oh. Oh mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire? On va y arriver hein, bien sûr hein. C'est parce que c'est le dernier niveau donc je fais durer le suspense hein. Et surtout que j'ai pas envie de repartir sans ma vie. Putain. Non, je rentrais de Paris, je savais pas. Ah bah écoute, tout va bien, nickel alors. J'espère que tu es bien rentré et du coup, bah passe une bonne soirée, à jeudi alors. Waouh, là on était sur la limite hein. Là, on va faire comment là? Oh non, il a pas fait son double saut! Qu'est-ce que tu bats, Younes? Moi j'ai dit qu'il était pas trop dur le jeu, et toi j'ai dit j'ai du skill. Mais j'ai rien compris ce que t'as écrit là, tu. T'es rageux, t'es un rageux. Ah! Ah, tu vois, tu vois, Younes? Tu me déconcentres? Et j'arrive pas à faire mon niveau bonus.
Je l'ai fait 20 fois parfaitement et... Vous avez dit que le jeu était plus simple et que c'est pas parce que j'avais du skill. Et ça m'a choqué, ça m'a déçu, et là... Ah mais essaye pas de m'embrouiller, Younes. Essaye pas de t'enlever la culpabilité. Putain mais c'est pas possible. Hop. Je l'ai fait parfait pendant 3-4 fois et là j'arrive plus. Putain, heureusement qu'on perd pas des vies, hein, je vous le dis. Letty, allez, je vais te croire, hein. Non, bon, Letty, encore, je te crois. Mais Younes, t'es coupable. En tout cas, bonne soirée, bisous, Letty. À jeudi. Peut-être je vais y arriver à ce niveau bonus ou... Bon niveau de chou, dors bien. Me stresse. En fait, je pense qu'on va y aller, hein, parce que... Mais non, mais de toute façon, c'est mort, quoi qu'il arrive. Faudra que je passe les nitros, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, quitte à passer les nitros, autant que l'on... Que l'on prenne la vie, quoi. Je suis une quiche, vous pouvez le dire dans le chat. Chris, tu es une quiche. Allez, faut que je me concentre parce que mon cerveau là. 3 heures de crash, ça y est, mon cerveau commence à plus répondre. Une quiche, merci Ruben. Tu passes VIP. Ouais, j'essaie une dernière fois. Et si là je l'ai pas, bah tant pis, on n'aura pas toutes les caisses parce que. Et surtout, on n'aura pas une vie parce que là en fait ça commence à me saouler. Je vais pas rester bloqué 3 heures sur un niveau bonus, hein. Salut. Allez, on abandonne l'idée d'avoir toutes les caisses parce que là ça me saoule.
putain! Ça a l'air simple quand on regarde le jeu. Ça a l'air, mais je vous invite à tous le prendre sur PlayStation, sur Xbox, sur Nintendo Switch ou sur PC et testez vous-même. Vous verrez que mes pétages de plomb ne sont pas... Non, mais il est con. Chris, concentre-toi! Je crois que mon cerveau il commence à être en ne pas déranger, en mode sans échec. Et que ça va être très compliqué de finir, donc allez Chris. C'est le dernier niveau de la soirée. Faut qu'on y arrive là. Voilà. Allez, tant pis pour les 5 caisses là. On va monter à 23 vies, ça va faire plaisir. Ah non, peut-être pas en fait. Non, il nous manquera quelques caisses. Je vais récupérer les coms, les pommes, vous inquiétez pas. Ouf. Ah. Ah mais il y a une tête de mort dessus. Bon. Oh non mais du coup il y est plus. Mais du coup... La défaite. La défaite. Ouais, je commence à être un petit peu fatigué là, j'avoue. Putain. Alors désolé, je laisse des pommes derrière moi, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Oulala. J'étais un petit peu optimiste là. Oula, le scarabée, normalement, il s'est fait défoncer la gueule. Hein. Eh, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, pas beaucoup. Eh ben voilà. On l'aura quand même bien torché, le jeu. Est-ce qu'on peut voir les pourcentages? Parce que mine de rien, en une soirée, il reste plus qu'un monde. Et oui, il reste plus qu'un monde. Euh, 29%. Après voilà, il y a, c'est juste, mais en tout cas, on l'a quand même bien torché. On l'a quand même bien torché en un soir. Sur cela, les amis, il est grand temps pour nous d'aller se reposer, d'aller se coucher, d'aller dormir, d'aller jouer, d'aller faire ce que bon vous semble. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment ce soir tous ensemble. C'était vraiment cool. Nous, on se retrouve jeudi. Jeudi pour Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2. J'espère que ça va vous faire kiffer comme Crash. On continuera Crash Bandicoot la semaine prochaine, je pense, ou je verrai quand. Mais voilà, sur cela, eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Merci à tous ceux qui sont là tous les soirs, qui passent une heure, deux heures, qui restent tous les soirs, qui viennent. Voilà, merci à tous, vous êtes au top, vous êtes une communauté géniale. Je suis vraiment très content de vous avoir. Merci à tous. Passez une très bonne soirée et on se dit bah, très vite sur les réseaux sociaux et à jeudi sur Twitch. Bonne soirée les amis.